DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les deux derniers du groupe J vont s'affronter en double confrontation. La République démocratique du Congo, 3e avec 2 points au terme des deux matchs nuls lors des deux premières journées, va donc recevoir d'abord, ce sera le jeudi 7 octobre prochain ici à Kinshasa, les Barea de Madagascar. Hein, Barea blessé, hein, puisque cette équipe a perdu ses deux premières journées, a donc 0 points. Mais les Malgaches comptent bien se relancer au terme en tout cas d'un match qui sera compliqué, dont ils savent que ce sera aussi compliqué puisque contre l'équipe qui était annoncée comme étant la favorite de ce groupe J, mais qui se retrouve en troisième position. Les Barea de Madagascar n'ont pas d'autre choix que de gagner les quatre matchs restants, et la République démocratique du Congo également, dos au mur, doit absolument gagner également les quatre matchs. Ça promet donc d'être un match très très ouvert où chacune des équipe cherchera en tout cas à tirer le drap de son côté. Et les Malgaches mettent en tout cas toutes les batteries en marche pour pouvoir remporter ce match et ainsi apporter le soutien nécessaire à cette équipe pour aller chercher cette victoire face à une belle équipe de la République démocratique du Congo. Et selon un tweet du site ledefimadagascar.com, nous apprenons que finalement la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA, aurait autorisé 10 000 spectateurs au stade de Madagascar pour appuyer justement ces Malgaches face à la République démocratique du Congo. Deux poids à deux mesures, nous continuons en tout cas à faire des réflexions sur cette question. Ça nous semble quand même un tout petit peu invraisemblable. La FIFA leur accorde 10 000 places afin que ces derniers puissent appuyer leur équipe nationale. Et une fois de plus, nous estimons que c'est injuste parce que chez nous, ils nous refusent même ne serait-ce que 100 personnes dans un stade de 80 000 places. Vous imaginez, c'est vraiment incompréhensible, c'est incroyable. Mais les Malgaches, tout comme ils ont eu à accéder, ils ont eu quand même à donner à certains Malgaches la possibilité d'accéder au match lors de la première journée contre le Bénin. D'ailleurs, ils ont accédé gratuitement à ce match. Le gouvernement malgache a payé les billets pour les supporters malgaches, même si c'est vrai, au terme de résultats, cela n'a pas suivi puisque les Bénins ont été beaucoup plus forts que les Malgaches et ont remporté ce match 0 but contre 1. Nous estimons quand même que étant donné que il s'agit de la Coupe du Monde, hein, et donc l'Afrique doit être représentée par ses meilleurs fils, hein, j'aimerais dire, hein, ceux qui sont les plus en forme, et donc tout le monde au départ doit partir avec cette égalité des chances. Comment pour certains pays on peut accorder que leur public soit là et pour d'autres on leur refuse que le public soit là? Moi je n'arrive vraiment pas à comprendre cette politique de la FIFA. La FIFA a-t-elle ses chouchous? La FIFA a-t-elle ses favoris? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser et ce n'est pas anormal. Nous continuons en tout cas à fustiger et cela, et c'est vraiment triste. Donc voilà ce qui va se passer. Donc les Malgaches vont appuyer leur équipe pour ce match contre la République démocratique du Congo. Je rappelle que le match aller c'est ce jeudi 7 octobre et le match retour ce sera 3 jours plus tard à Antananarivo
au niveau du Madagascar. Alors, des nouvelles de Léopard, bien sûr, nous en avons, et des nouvelles qui ne sont pas en tout cas très très bonnes hein, pour ces matchs de la 3e et 4e journée. La République démocratique du Congo devra faire 103 cadres de l'équipe nationale. Elia Meschak ne sera bien évidemment pas de la partie. Nous n'arrivons pas à comprendre comment un joueur qui s'était exprimé depuis le mois de mars et qui avait donné très clairement sa position puisse se retrouver à chaque fois convoqué en équipe nationale alors que les raisons qui avaient été avancées depuis le mois de mars restent en tout cas d'actualité. On n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas dans la Fédération Congolaise de Football Association. Alors à Elia Meschak, il faut également ajouter Yannick Yalabolasi et ainsi que Gaël Kakuta. Alors le sélectionneur principal de Léopard de la République démocratique du Congo, Hector Hall Cooper, vient donc de convoquer deux nouveaux joueurs, Joël Ngandou ou Kayamba de Victoria Plzeň, nous sommes là en République tchèque, et André Ebukia qui joue du côté de Arouca, nous sommes là en première division du Portugal, pour remplacer Meschak Elia et Yannick Yala Abolasi qui sont indisponibles. Les deux attaquants prendront part à la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Zone Afrique. La RDC affronte le Madagascar le jeudi 7 à Kinshasa et sera reçu le dimanche 10 2021 à Antananarivo par la même équipe dans le cadre de la 3e et 4e journée du Mondial Qatar 2022. Le milieu offensif Kakuta Gaël est également déclaré forfait, mais pour de raisons de blessure. Donc voilà, pour Kakuta, on précise que c'est pour raison de blessure, mais pour Yannick Yalabolasi, on ne précise pas. Pour Elia Meschak, on ne précise pas. Honte à vous, les membres de la fédération, puisque la raison qui fait qu'elle ne vienne pas, c'est la même raison qui avait été avancée lorsqu'il avait été convoqué par Christian Tengibembe, mais vous avez toujours continué à le convoquer, mais voilà qu'il ne va pas venir. Et les remplacements, franchement, André Boukia, c'est plutôt un joueur du type Gaël Kakuta, c'est un meneur de jeu, hein, comme on les appelle, on aime bien les appeler des 10, hein, c'est un 10, mais on aurait bien voulu que le remplaçant de Elia ainsi que de Yannick Bolasie soit des ailiers. Je me demande bien pourquoi ne pas plutôt prendre des joueurs tels que Shadrack Muzungu qui aime aussi la profondeur et qui prend très bien le couloir et qui peut distiller des bons centres. Aussi à nos deux attaquants en pointe, Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani, pourquoi pas Rossen Tusila ou même Lille pour Maccabi qui a déjà débuté le championnat et qui a même déjà inscrit un but avec l'AS V-Club. Je n'arrive pas très bien à comprendre les choix hein, d'Hector Raoul Cooper, surtout par rapport aux ailiers. C'est vraiment le compartiment, l'un des compartiments les plus faibles de la République démocratique du Congo. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, espérant que les choses aillent quand même pour le mieux. Alors, pour ce qui concerne les léopards déjà présents à Kinshasa, déjà, il faut savoir qu'il y avait 6 léopards qui étaient dans la salle de musculation. Hein. 17 joueurs de léopards sur les 24 attendus pour la double confrontation face au Baréa étaient déjà internés hein, au fleuve Congo, hôtel lieu de rassemblement. Il s'agit de 5 footballeurs arrivés le week-end dernier. Dieu merci Mbokani, Ben Malango, Cédric Bakambu, Samuel Bastien, Nathan Idumba Afasika, ainsi que le gardien du Dan Klomote Mapembe, Hervé Lomboto, interné depuis le lundi. Et ces 6 athlètes se sont entraînés pendant une heure dans la salle de musculation sous la supervision de l'entraîneur Hector Cooper. 11 autres joueurs, dont 10 venant de l'Europe et un de Lubumbashi, ont rejoint le groupe dans la soirée. Un seul forfait hein, dans le groupe de l'Hexagone, le meilleur joueur du CHAN 2016, Meschak Elia. Les 10 athlètes, Mandanda notamment, Mandanda Parfait, Joël Kiasumboa, Mpasi Nzao Lionel, Ngonda Muzinga, Chancel Mbemba, Kayembe Edo, Okita Jonathan, Muleka Jackson, Samuel Mutusami et Akolo Shadrack séjournent bel et bien à Kinshasa, ainsi que Zola Arsène en provenance de Lubumbashi avec le préparateur des gardiens Robert Kidiaba.
Alors, voici la liste complète, hein, finalement, des joueurs présents à Kinshasa et ceux qui sont attendus ce mardi 5 octobre 2021. Présents à Kinshasa déjà, nous avons Parfait Mandanda, Joël Kiasumboa, Ampa Sinza ou Lionel, Lomboto Hervé, Ngonda Muzinga, Ambemba Chansen, Nathan Idumba Fasika, Zola Arsène, KMB et Edo, Okita Jonathan, Jackson Muleka, Samuel Mutusami, Akolo Shadrak, Dieu merci Mbokani, Ben Malango, Cédric Bakambu, Samuel Bastien, ceux qui vont arrivé ce mardi, nous avons Fabrice Ntakala, Christian Luindama, Mukoko Amal et Dieu merci, Fabrice Ngoma Luamba, Joël Ngandu ou Kayamba. Voilà des joueurs qui vont compléter la liste de 24. Hein. Finalement, il reste à 24 pour affronter les Baréa du Huma à Madagascar qui donc vont devoir jouer contre le Léopard. Ce sera au stade des Martyrs. Alors, pour ce match qui va nous opposer au Malgache le 7 octobre 2021, donc ce jeudi, donc comme arbitre, hein, nous aurons en tout cas comme arbitre l'Angolais Dungula Antonio Okaluasi et il sera assisté du premier assistant qui est aussi évidemment un Angolais, Santos Gerson Emiliano Dos de l'Angolais également. Le deuxième assistant également nous viendra de l'Angola, Lopez Ivanido Meireles Duho, qui nous vient également de l'Angola. Et nous aurons comme officiel quatrième arbitre, hein, bien évidemment, qui nous viendra toujours dans Angola. Donc voilà, pour ce match, nous espérons en tout cas que les Léopards, même si ils ne seront pas appuyés par le 12e homme compte tenu de cette mesure que nous qualifions d'injuste de la Fédération internationale de Football Association, nous espérons en tout cas qu'ils vont se sortir du piège des Baréas qui sont dos au mur tout comme nous et qui vont chercher absolument la victoire. Un match nul n'arrangera aucune des deux équipes, hein, donc inutile donc de chercher à faire encore un match nul. Nous devons absolument battre ces Malgaches, mais je signale qu'il faut faire très très attention à cette équipe du Madagascar, une équipe qui est très très rapide, hein, surtout sur les côtés, et donc nos défenseurs, nos latéraux devront en tout cas faire preuve de beaucoup de prudence pour éviter justement ce piège malgache. Mais c'est vrai que ces Malgaches, on les craint peut-être, hein, mais cette équipe n'a réussi à faire aucun match nul ni gagner aucun match. Et donc, ce sera pour eux peut-être tenter de gagner une première victoire depuis le début de ces éliminatoires. Donc, je pense que ce match restera quand même assez ouvert. Hein. Il y aura de l'envie des deux côtés et chacune des équipes cherchera en tout cas à remporter ce match, puisqu'un match nul ou une défaite ne sera à l'avantage ni de l'une ou tout comme de l'autre équipe. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons voulu faire, hein, l'information que nous avons apportée sur la situation en équipe nationale. On a essayé de faire le point et merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.